Parfois, le silence m'étourdit. Alors, je laisse la radio allumée toute la journée. Je reconnais chaque journaliste, j'ai mes préférés. Parfois, je mène en moi des discussions avec eux. Je leur donne mon avis, je les contredis, je leur donne raison. Ils ne sont que voix pour moi. J'évite de coller un visage sur ce que j'entends. La télévision, je n'en abuse pas, bien au contraire. Trop d'émissions vides, de tout sens, de bon sens, trop d'exhibitionnisme. Ça me déprime. En plus, dès que je regarde la télé, je me vois à la troisième personne. Est-ce que je vois m'angoisse? Une femme d'un certain âge, quel bel euphémisme, dans son fauteuil, mémère, qui n'a plus d'autre choix que de consommer les plats télévisés préparés par des gens qui prennent leur clientèle pour des voyeurs, des limités, des dupes. Et je l'avoue, quand j'allume la télé, je reste accrochée aux émissions les plus consternantes. J'ai une fascination presque malsaine pour la sottise sans bornes. Et quand je vois les jeunes gens, habillés sans goût et sans gêne, débiter des stupidités en se croyant très malins, je suis heureuse de ne pas avoir eu d'enfant. Remarquez, j'aurais tout fait pour que mon enfant n'en arrive pas là. Mais en théorie, c'est facile, je sais. En plus, avec Jean, les enfants auraient forcément trop regardé la télé. Jean était vraiment dépendant. Parfois, il l'allumait déjà le matin. Mais pourquoi je pense de nouveau à Jean? N'importe quoi. Ma journée se déroule selon un schéma bien précis. Je me fixe des heures, un rythme. C'est mieux ainsi. Les premiers temps du silence social, c'était le laisser-aller complet. Je me levais à des heures pas possibles, je mangeais de manière désordonnée, directement dans la casserole, et je ne m'habillais que pour sortir. Je nettoyais à peine. Cet état de désordre, d'anarchie interne et externe, je ne l'ai pas supporté longtemps. 2 semaines et 3 jours exactement. Des années d'éducation stricte, de socialisation à l'ordre et à la discipline, des décades de fonctionnement privé et professionnel en règle, ponctualité, propreté, sobriété, ne se laisse pas balayer du jour au lendemain. Après mes 2 semaines et 3 jours, disons, expérimentaux, voire post-pubertaires, j'ai opté pour le retour aux journées structurées. Une peinture ne peut pas tenir sans cadre, un bouquet de fleurs ne peut pas tenir sans vase, et moi, je ne peux pas tenir sans horloge. Violette. Je bois ma dernière goutte de chocolat. Il est tiède, je me lève. C'est mardi, le jour des courses. Jour d'émotion aussi, car je quitte ma coquille pour affronter des gens. Faut rester poli avec eux, dans la rue, au supermarché, chez le boucher. Poli, mais à distance. Pas qu'ils veuillent sympathiser avec moi, me poser des questions indiscrètes, me demander si j'habite loin, si mon mari aime aussi les boudins blancs, ou si je voudrais un peu de saucisson pour mes petits-enfants. Le boucher est une épreuve, mais sa viande irréprochable. Et moi, j'aime la viande. J'en suis en manque d'après-guerre. Violette, écoute ma chérie, la viande c'est pour papa et pour Fernand. Les hommes en ont plus besoin que nous. Maman n'aimait ni les animaux, ni la viande. Par projection, moi non plus. Je dois me rattraper maintenant. Je le fais 2 à 3 fois par semaine. Saignant, croustillant, au four et à la poêle. Je ne suis pas prête de lâcher le goût. Mais le boucher est un défi. Qu'on me donne une Kalachnikov. C'est un homme grand, gros, rose, rustre. Parfois, j'ai envie de lui dire, je ne suis pas ton rôti. Mais je passe ma commande de la semaine et je me tais. Il pense que je suis un peu sourde car je ne réponds pas à ses questions. Alors il les hurle. Je lui souris froidement, une demi-seconde, puis je regarde les steaks et je garde le silence. Aujourd'hui, j'ai exagéré. En plus de la viande, j'ai pris 2 bouteilles de vin, 1 litre de lait, des navets et 1 sac de pommes de terre au supermarché. Le tout pèse horriblement lourd, boulet au poignet. J'aurais dû prendre mon chariot. Le plastique des sachets s'enfonce dans mes doigts. J'ai chaud. Le vent d'automne est trop faible. L'avenue me paraît interminable. Je vais couper par le parc, malgré les marronniers. Ils lâchent leurs hérissons à la moindre brise et de préférence au-dessus de ma tête. J'ai mal aux bras, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux doigts et une folle envie de jeter les patates dans les buissons. Mais je n'ose pas. On ne jette pas la nourriture. Je suis d'accord avec maman. Mais je n'en peux plus. Au prochain tournant, il y a un petit banc. Je vais me reposer 5 minutes, bien que cela fasse vraiment vieille femme. Tant pis, je n'ai rien à prouver à personne. Je dépose les sacs par terre et je m'assieds. Le banc est un peu humide, mais le bois me rassure. Un jeune homme passe. Il regarde par terre. Il n'a pas l'air heureux. Il a un drôle de petit sac à dos, tissu noir avec une broderie de toutes les couleurs.
Plutôt un sac de femme, je trouve. Mais chez les étrangers, il y a d'autres règles. C'est un étranger, c'est sûr, hein, avec sa pommade, ses cheveux noirs, bien qu'il n'ait pas l'air arabe ni turc. Ses cheveux sont tout raides, ses yeux sont un rien bridés. Il croise mon regard, mais baisse tout de suite les yeux. Il a dû sentir ma curiosité. Il accélère un tout petit peu, mais il traîne les pieds, le maigrelet. Drôle de petit jeune. Tant qu'il ne me pique pas mes sacs, il commence à brûler. Ma coiffure va se décomposer. Faut que je me lève. J'attrape mes sacs, j'active mes muscles, mes os grincent. La bourrine se renforce. Je marche plus vite. Je vais dépasser le petit jeune homme. Il avance à un rythme modéré, avec une certaine lenteur que je reconnais. C'est la lenteur des gens sans but. J'ai presque de la sympathie pour lui. Mais il faut le dépasser maintenant. Par la droite ou par la gauche? Par la droite, et pas qu'il m'arrache mon sac. Ben, savoir d'où il vient, où il va. En tout cas, on ne l'attend pas. Mes salons claquent. Cette excursion en forme de course m'épuise. Les poignées en plastique sont dures et tendues dans mes mains. Fini les pommes de terre. Dorénavant, je n'achèterai que du riz. Et voilà, crac ! Un des sacs plastiques se déchire. Navets et pommes de terre sautillent sur le chemin, libérés ! Quelle matinée ! Enrique. Ça roule autour de moi, une rafale de pommes de terre, crues, rondes, blondes, impertinentes. Je lève la tête, je vois le sac en plastique déchiré, je vois la vieille dame, son regard désemparé. Il dit au secours. Il dit aussi, attention, je me débrouille bien toute seule. Elle me rappelle ma grand-mère, ses gestes sont raides, je dois l'aider. Violette. Je soupire, je râle à mi-voix, je me baisse pour ramasser les légumes, et qui voilà ? Le petit jeune étranger qui vient à mon secours et commence à ramasser les pommes de terre. « Faut pas, jeune homme, je me débrouille très bien toute seule. » Ma voix est plus dure que voulu. Le petit jeune s'arrête, effrayé. Il regarde ses mains, 5 pommes de terre, qu'en faire ? Il me les tend avec un petit sourire. « Merci. » Ma voix est plus gentille maintenant et je lui ouvre mon deuxième sac. Il y dépose les patates. « Merci, jeune homme. » Il hoche la tête sans rien dire, enfonce ses mains dans ses poches et continue son chemin sans but. Drôle de bonhomme, mais aimable quand même. De retour à la maison, je ne pense qu'à lui. J'ai presque envie d'appeler Lucienne pour lui dire qu'elle a eu tort, comme toujours, avec ses tirades anti-étrangers, ses bouffées de haine contre tout ce qui est autre, contre tout ce qui n'entre pas dans son tiroir bourgeois borné, petit bourgeois borné. Elle voudrait bien avoir l'air, mais elle n'a pas l'air du tout. En plus, elle n'aimait même pas Brel, le plus grand. Elle ne le comprenait pas, pauvre fille. Je me félicite pour la énième fois d'avoir coupé les ponts avec elle, même si on se connaît depuis presque 50 ans. Je veux dire, on se connaissait. Violette. Les pommes de terre, grâce à mon petit porteur patate, je les ai mangées avec une joie particulière aujourd'hui. Jean les aurait aimées sauter, mais le véritable amateur les mange nature. Chaude, tendre, beurre fondu, grain de sel, bonheur. Ah oui, à mon âge, la nourriture devient source principale de plaisir. La nourriture et les belles choses. Elles ne vieillissent pas, elles restent sans rides. Il faut juste enlever la poussière. C'est bien de s'entourer de belles choses, porcelaine fine, nappe brodée, bouquet de fleurs et lampes tamisées. La lumière est presque aussi importante que la musique. J'écoute de la musique au maximum 2 heures par jour. Après le petit déjeuner, entre 9 et 10 heures, et avant de prendre mon apéritif, entre 4 et 5 heures, j'ai appris à me restreindre, pour ne pas consommer sans entendre, économie du plaisir pour l'agrandir. La musique, il faut la choisir avec amour, l'écouter avec concentration, se laisser toucher jusqu'au plus profond de soi. Le reste du temps, la radio fait l'affaire. Ces mélodies en concert n'appartiennent pas à la catégorie « musique ». Et le jeune homme du parc n'entre pas dans la catégorie croisé, passé, oublié. C'est tout de même étrange qu'il ne me sorte pas de la tête. Depuis mon silence social, j'essaie d'éviter de penser trop longtemps aux gens que je croise dans la rue, dans les magasins ou chez le coiffeur, même si nous échangeons quelques mots. Cela aide à garder la distance, ma liberté, pas de lien, mon indépendance. J'ai déjà assez à faire pour bannir les fantômes du passé, les effacer sans les fuir. Fuir ? C'est perdre. Rompre, c'est gagner. Non pas parce qu'il m'a aidé à ramasser les pommes de terre. Il y avait autre chose, peut-être ce regard bridé,
C'est ma maigrelette, cet air désemparé. Violette, ne commence pas à faire ta mère Teresa ou ton Hercule Poirot. Mais demain, j'irai quand même prendre l'air dans le parc, histoire de rénover un peu l'horaire quotidien. Violette, je dois avouer que je dors souvent mal la nuit, malgré le porto. Bien que je vive seule et ne parle à personne, visage et voix embrouillent mon sommeil. Le pire, ça ne s'arrange pas avec le temps, malgré le silence social. Au contraire, mon cerveau devient une mer agitée. Elle rejette du passé sur ma plage solitaire. Et moi qui rêvais d'une île paisible, pas de chance. Faut tout le temps nettoyer la plage, rendre le sable blanc et propre. Ça fatigue. Les livres sont de bons balais. Je rallume la lampe de chevet et me tourne vers la table de nuit. Ce soir, ils me font un balai de rue, donc je continue avec un polar, au risque d'entendre au milieu de la nuit des assassins en série asticoter ma porte. Faut dire que Jean les chassait bien avec ses bras autour de moi, ses ronflements et ses violettes dans mon oreille. Mais j'en ai pas là. Plus là, bon, c'est tout. Enrique. Et si je braquais une banque? Et si je jouais au loto? Et si je trouvais une mallette remplie de gros billets? Et si je devenais riche d'un coup, miraculeux? Je prends une douche froide et me demande depuis quand je pense tout le temps à l'argent. Mais c'est qu'il fait le bonheur. Tout le reste n'est que mensonge. Paroles de curé, consolation gratuite, miettes de mots pour faire taire les pauvres. L'argent seul a le pouvoir de chasser la solitude, de vaincre l'humiliation, de surmonter le manque de lumière. Ça l'affaire. Penser aux thunes me grise. C'est la nausée dès le matin. Violette. Le métro se met en route. Et je regarde autour de moi. Mais qui vois-je quelques sièges plus loin? Mon Maigrelet. Ouais, ouais, c'est lui, j'en suis sûre. Je fouille dans mon sac pour sortir mes lunettes. J'avais raison, c'est lui. Sur ses genoux, il y a son sac à dos étrange à broderie colorée. Ça me fait plaisir de le voir. J'ai presque envie de lui faire un petit signe de la main, mais il regarde ses pieds. D'où vient-il? Où va-t-il? Herculine Poirot est curieuse.